Blagnac, près de Toulouse. 18 août 2003, 10h du matin. Bien, j'étais au 15 rue Maurice Dutrillon et j'étais en train de distribuer le courrier. Quand j'ai vu une ombre, et je me suis retournée et j'ai vu un monsieur habillé d'un chapeau et d'une veste. Et j'ai vu son fusil. L'homme au fusil se dirige vers un jeune homme qui attend l'ouverture de la porte. Le jeune homme tente de s'enfuir. Un premier coup de feu claque, les projectiles n'atteignent qu'un muret. Au second coup de feu, le jeune homme s'écroule, atteint dans le dos. J'ai entendu une grande détonation, un bruit très fort, et ça ne pouvait pas être un pétard, c'était quelque chose d'autre. Alors je suis venue au balcon, et puis là j'ai vu la scène. Ça s'est passé derrière le petit triangle métallique là-bas. Eh bien, j'ai vu un homme qui tenait un objet long dans sa main, je ne savais pas que c'était un fusil, et qui tapait sur une masse à terre. Mais je ne voyais pas cette masse, je n'ai pas distingué que c'était un corps, parce qu'il y avait un buisson qui gênait un peu. Voilà, je l'ai vu frapper très fort. J'ai vu le jeune homme par terre, et la personne avec le fusil. Et il frappait à coups de crosse. Je me suis dit, c'est pas possible, je vois mal ou j'ai une hallucination. Je pensais pas que ça pouvait arriver. Je me suis dit, bon, il a tiré dessus, ça suffit quoi, laisse-le tranquille. Et bien non, il s'est quand même un peu acharné, enfin un peu beaucoup acharné sur lui et il est parti. Il y avait une dame au balcon juste en face qui tenait un bébé dans la main et qui criait « non papa, non papa ». Et ça c'était c'était très poignant d'entendre ça, surtout avec le bébé dans ses bras, quoi. Le mystérieux tireur abandonne son arme sur le corps de sa victime et regagne son véhicule. À 10h27, il se constitue prisonnier à la gendarmerie de Toulouse. Il se nomme Marc Maurice, c'est un ancien gendarme à la retraite. J'aurais aimé qu'il me dise « je vais aller lui casser la gueule ». C'est ça peut-être qu'il aurait dû faire, je ne sais pas. Mais il devenait fou parce que quand il recevait de la justice que l'affaire était classée, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le supporter. On a tout fait. Personne n'a répondu. Et ancien gendarme, ça fait bizarre. Il a servi la justice et là, au moment où il en avait le plus besoin, et il avait besoin, et qu'on ne l'entendait pas, on fermait les yeux. Moi, je n'y arrive pas à croire. Il souffrait énormément, il ne comprenait plus, hein, c'est procédure. Et je l'ai vu pleurer plus d'une fois dans le jardin, s'éloigner. Je le sentais mal, mais. La victime s'appelait Cédric Elliot. Il avait 25 ans. Il avait eu une liaison avec la fille de Marc Maurice, Fabienne. De cette relation était née une petite fille, prénommée Jade. Oui, il aimait la vie. Il avait des copains comme tout le monde, des petites copines. Vraiment, il était très équilibré. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Toulouse trois années plus tard, le 10 avril 2006. Trois journées de débat sont prévues. L'ambiance s'annonce très tendue, car trois ans après le drame, les protagonistes n'ont pas varié dans leurs convictions. Magistrats et jurés vont devoir plonger au cœur d'un incroyable écheveau de passion et de haine entre deux familles qui se déchirent depuis des années autour d'une petite fille. Jade est devenue l'enjeu de cette lutte opiniâtre et impitoyable qui s'est achevée à la mort de son père. La fillette, âgée aujourd'hui d'une dizaine d'années, sera pourtant absente du procès. Les magistrats ont renoncé à son audition
pour ne pas la perturber davantage. Les parents de Cédric Elliot, parti civil, sont assistés par maître Georges Catala et par maître Franck Méjean. Marc Maurice est défendu par deux avocats pénalistes, maître Simon Cohen, du barreau de Toulouse, et maître Michel Cardix, du barreau de Nice. Monique Maurice, l'épouse de l'accusé et grand-mère de Jade, sera l'un des témoins essentiels du procès. Tout comme sa fille, Fabienne, la mère de Jade, venue à l'audience avec son nouveau compagnon. L'accusation sera soutenue par l'avocate générale Marie-Françoise Desparbès-Cerny. Marc Maurice est détenu depuis les faits qui lui sont reprochés. Il a aujourd'hui 54 ans. Il est poursuivi pour l'assassinat de Cédric Elliot. Il encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. On ne sait pas encore s'il regrette vraiment son geste. En revanche, on sait qu'il ne renie rien des motifs qui l'y ont poussé. L'audience sera dirigée par le président Couste. Pour tenter de comprendre le mobile avancé par Marc Maurice, la cour d'assises va reconstituer le parcours de ces deux familles poussées au paroxysme de la haine pour l'amour d'une petite fille, Jade. Les Elliot et les Maurice habitent près de Toulouse, à quelques kilomètres seulement les uns des autres. Daniel Elliot est artisan peintre à Merville. Il a deux fils, Cédric et David. En 1995, Cédric tombe amoureux de Fabienne Maurice. Les deux jeunes gens sont encore étudiants. Il a 19 ans, elle en a 17. C'est la pêche avec son père. Ça, c'est bon, la naissance de... De Jade. Non, il avait 20 ans. 20 ans. Cette jeune fille s'est retrouvée enceinte. C'était un peu un accident de jeunesse. Ma grand-mère maternelle, Monique Maurice, va de son initiative déclarer l'enfant de père inconnu. Elle va changer le nom, le prénom. Au lieu d'être Elliot Manon, elle va l'appeler Maurice Jade. Fabienne Maurice, encore lycéenne, vit avec ses parents et ses deux frères à Lara, un village en pleine campagne. À la naissance de Jade, elle reste au domicile familial où elle élèvera l'enfant avec ses parents. Cette gamine, elle fait bébé à 17 ans, elle est mal, mais malgré ça, elle a eu son bac à domicile, par correspondance. Elle a eu une voiture, elle est partie à l'université. Donc j'ai fait, elle m'a promis de partir avec une situation dans les mains. Il a vécu sous le toit des parents Maurice environ 6 mois. Mais au bout de 2-3 mois, la grand-mère elle commençait déjà son travail de sape. Elle disait que la petite commençait à bégayer, que la petite n'allait pas bien. Elle annonçait quelque chose. Là, c'était voilà, le jour de Noël où ça a commencé. La tristesse de cet enfant, elle commençait à ne plus aller. Là, ça n'allait pas. Là, c'est des photos de 99, 98. J'ai vu que elle change dans son regard. Il y a la tristesse dans les yeux, il y a quelque chose. Parce que même en fin 98, où là, Jade va bégayer, un enfant qui va réciter des poésies, qui va chanter, et tout d'un coup, elle se met à bégayer. Elle ne joue plus, elle refuse tous les hommes. Les hommes, quand ils veulent l'embrasser pour dire bonjour, elle se tire, quand elle la pose par terre, elle se tire sur la robe comme si pour allonger la robe. Donc là, ça n'allait plus du tout. On va demander à Fabienne pourquoi Jade est comme ça. Elle dit, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, elle a quelque chose, je ne sais pas. Elle disait avoir surpris des attitudes bizarres de Jade. Ça s'est transformé en... Ma Jade se mettait les doigts à la bouche, de la salive
sur les doigts et se masturbait. Et la grand-mère a commencé ses premières accusations d'attouchement sur notre fils à cette époque-là, début février 99. La petite a dit que c'est son papa. Elle dit pas, c'est ça, elle dit c'est son papa. Donc, mais moi, c'est de croire l'enfant d'abord. Moi, c'est comme ça. Je crois d'abord l'enfant, après je crois l'adulte. À 36 mois, c'est un bébé. Elle regarde, même le médecin m'a dit, même si elle est vue à la télévision, même si elle est vue ses parents, elle ne peut pas se le reproduire. C'est impossible. Elle est trop petite. Cet épisode, c'est le premier tournant de l'affaire. Pour les Maurice, Cédric Elliot est un dangereux pédophile. Monique Maurice le met à la porte de chez elle et dépose plainte à la gendarmerie. Fabienne quitte le domicile familial pour rejoindre Cédric. Fabienne Maurice était tout à fait à l'opposé de sa mère. Pour elle, ses accusations étaient sans fondement. Elle soutenait Cédric. Pour elle, elle était certaine que Cédric n'avait rien fait à sa fille. Lassé de querelles incessantes, le jeune couple finit par se séparer définitivement début 2000. Fabienne renoue avec ses parents et change alors radicalement d'avis sur Cédric. Devant la cour, la jeune femme, manifestement embarrassée, tente de justifier ses revirements. Elle est persuadée aujourd'hui que Cédric était bien le père abuseur de sa fille que décrivent ses parents. Mais elle semble incapable de le justifier par d'autres arguments que ceux déjà développés par sa propre mère. Les jurés s'interrogent déjà sur la personnalité énigmatique de Monique Maurice et sur l'influence qu'elle exerce sur ses proches. À partir de la rupture, Fabienne Maurice a pris vraiment le relais de ses parents, des plaintes, des lettres aux juges enfants. Et les ennuis de Cédric sont repartis de plus belle. Les parents de Cédric vivent mal ce début d'audience. Ils ont le sentiment d'assister au procès de leur fils. En mars 2000, Fabienne emménage à Blagnac avec Jade, dans un petit appartement situé à côté des pistes de l'aéroport. Au matin du 18 juin 2000, jour de la fête des pères, Cédric, en vertu de son droit de visite, vient chercher Jade. Fabienne tente de s'y opposer physiquement. Cédric la bouscule et s'enfuit en voiture avec sa fille. Cette journée de la fête des pères, 3 ans avant le drame final, c'est le deuxième tournant de l'affaire Maurice. Ce jour-là, c'est le 18 juin 2000. Il a eu la famille Maurice aux trousses dès cet instant. Elle a téléphoné à son père, Cédric, sur le trajet de Blagnac à Merville où nous habitons. Il était coincé par le grand-père paternel, le futur assassin. S'ensuit une course-poursuite mouvementée. Pourchassé par Marc Maurice et ses fils, Cédric réussit avec l'aide de son frère à s'échapper et à gagner avec Jade le domicile de ses parents à Merville. On a été harcelé toute la journée par les allées et venues de la famille Maurice devant notre domicile, les coups de téléphone sur le téléphone fixe, sur le portable. La petite était heureuse d'être à la maison. Elle a joué avec les uns et les autres. Moi, par un moment, je l'ai fait tourner en la prenant sous les aisselles. Tano appelle ça faire l'avion. Et après, mon fils, il a pris le relais, il l'a fait aussi. Elle avait, de l'avoir fait jouer comme ça, ça l'avait marqué sous les bras, elle avait deux petits bleus. À 19h, Cédric Elliot ramène Jade chez sa mère. Une heure plus tard, alarmée par ces bleus, qu'elles verront même entre les cuisses de la fillette, Fabienne et Monique Maurice conduisent la petite fille aux urgences de l'hôpital Purpan. Les médecins ne constatent rien d'anormal et refusent de pratiquer un examen plus poussé. L'épisode renforce pourtant les Maurice dans leur certitude que Jade a subi de nouvelles violences. C'est Fabienne, cette fois, qui déposera plainte. C'était plus fort que moi. On ne prend pas un enfant de 4 ans, on ramène même n'importe quel âge, mais de me ramener dans un état pareil. Non, mais c'est pas possible. Je lui ai dit de soigner leur fils. Votre fils a un gros problème.
De cette première matinée d'audience, les jurés gardent un sentiment de malaise. Qui dit vrai ? Cédric Elliot était-il coupable ou innocent des accusations de pédophilie ? Marc Maurice avait-il une bonne raison de vouloir protéger sa petite fille à tout prix ? Fin 2000, plusieurs événements se succèdent. Les plaintes des Maurice sont classées sans suite par la justice. En revanche, les Maurice obtiennent d'un pédopsychiatre un premier certificat faisant état de violence sur Jade. Les Maurice décident alors de ne plus laisser l'enfant voir son père. En représailles, Cédric Elliot porte plainte pour non-présentation d'enfant. Face à cet enchevêtrement de plaintes contradictoires, la justice décide d'y voir plus clair. Sylvie Babot, psychologue de formation, est chargée de mener une enquête sociale autour de Jade. Elle rencontre d'abord les Maurice. Je suis tombée sur des grands-parents maternels qui quand même s'accaparaient beaucoup, beaucoup, beaucoup leur petite fille, puisque quand je suis allée les rencontrer, leur petite fille était chez eux, qui m'ont tenu un discours qui m'a paru complètement inadapté à la réalité, qui me soutenait, mais vraiment, même sans preuve, sans fait objectif, sans rien, que Cédric Elliot avait à toucher leur petite fille, était certainement quelqu'un de très méchant avec leur petite fille, qu'il fallait absolument plus qu'elle le revoie. Enfin bon, j'ai poursuivi l'enquête parce que j'étais très étonnée quand même que ses grands-parents puissent continuer comme ça. Et j'ai appris qu'effectivement, au moment où Fabienne Maurice était enceinte, sa mère elle-même était enceinte et qu'elle avait perdu l'enfant. Donc je pense qu'elle-même ayant perdu le bébé qu'elle attendait en même temps que sa fille, Jade, qui devait d'ailleurs, je pense, être le prénom qu'elle aurait donné à sa propre fille, c'était pas sa petite fille, c'était sa propre fille à elle. Voilà. Une enquête sociale faite de cette façon, c'est inadmissible. Non, j'y crois pas. Qu'on puisse dire des choses comme ça, raconter des choses comme ça, c'est... Non, ça c'est de la folie. Pour moi, c'est... Non. Vous avez été très claire et très courageuse. Très bien, très bien. Je ne t'ai pas laissé démonter. Très bien. Il m'a énervée. Non, mais puis en plus, il se tient des contre-vérités. L'audition de Sylvie Babot conduit les jurés à regarder différemment les Maurice. Mais ceux-ci, murés dans leur certitude, ne semblent en aucune manière déstabilisés. Tout au long des deux années suivantes, de nouvelles plaintes partent en rafale, des deux côtés. Plaintes pour menaces, violences, non-présentation d'enfants, abandon de famille. Le 15 juin 2003, Fabienne Maurice constate que Jade, de retour de chez son père, présente des traces de sang. Les médecins des urgences de Purpan n'y voient, encore une fois, rien d'alarmant. Les Maurice, si. Monique Maurice entame alors une quête effrénée de certificats médicaux pour tenter d'établir la réalité de ces nouvelles violences. Finalement, le 26 juin 2003, un médecin atteste par écrit, après l'avoir examiné, que Jade présente tous les symptômes d'un enfant abusé. Une nouvelle plainte est déposée. Ces événements de juin 2003, deux mois seulement avant l'assassinat de Cédric Elliot, constituent le troisième tournant de l'affaire Maurice. Ça fait peur quand même, un légiste qui dit comme ça, comportement caractéristique aux enfants abusés sexuellement. Elle a du sang dans la culotte, elle n'est pas bien et on vous donne... À mon avis, il n'y a dans le dossier absolument aucun élément scientifique et objectif qui démontre que Jade ait subi des sévices. Il n'en existe aucun. Il y a un certificat médical qui a été rédigé malencontreusement qui dit que l'enfant, lorsqu'il est examiné, est terriblement troublé, présente des déséquilibres d'ordre psychologique. Mais le fait que cet enfant ait été déséquilibré psychologiquement est une évidence. Puisque l'on sait que cette gamine de 3, 4, 5, 6 ans a été prise dans une tenaille terrible. D'un côté, la pression
de ces gens qu'on vient de voir, le grand-père, la grand-mère et la fille, milieu pathogène par excellence, et de l'autre côté, le désir de l'enfant de voir son papa. Comment voulez-vous qu'entre eux, l'appréciation du pédopsychiatre, les constatations du médecin légiste et les propos de l'enfant, ce grand-père et cette grand-mère n'aient pas été convaincus qu'ils avaient raison? Comment voulez-vous que ces gens n'aient pas été désespérés et qu'ils ne se soient pas dit ce que l'institution judiciaire ne peut pas raisonnablement nous procurer, la sécurité? Il faut que cette sécurité, nous la fabriquions pour notre petite fille. Après une nuit de réflexion, les jurés sont troublés. Cédric Elliot leur apparaît innocent des accusations auxquelles il a dû faire face et que la justice a toujours écartées. Les Maurice se sont enferrés dans des convictions illusoires bâties sur des incidents mal interprétés et nourris par des certificats médicaux audacieux. Marc Maurice y a pourtant cru, jusqu'à décider la mort de Cédric Elliot. Il va ce matin tenter de justifier son geste devant la cour d'assises. Face au juré, Marc Maurice va devoir faire le récit de la journée du drame et tenter d'expliquer la rage qu'il animait ce matin-là au point de briser la crosse de son arme sur la tête de sa victime allongée au sol, déjà grièvement blessée d'un coup de feu dans le dos. Marc Maurice sait que son audition sera décisive pour la suite du procès. Il lui faut convaincre jurés et magistrats de la cour que, face à l'inertie de la justice, il n'avait plus d'autre solution pour préserver Jade que d'éliminer celui qu'il considérait comme étant le tourmenteur de sa petite fille. D'autant qu'il savait qu'en ce mois d'août 2003, Cédric Elliot avait obtenu pour la première fois le droit de partir en vacances pour 15 jours, seul avec sa fille. Oui, tout le monde était inquiet. Elle était inquiète, tout le monde était inquiet, hein. Ça c'est normal. Et pourquoi vous étiez inquiet? Parce que le légiste dit ça et que personne n'est entendu. Et l'enfant allait partir chez son bourreau, moi j'appelle ça comme ça. C'est. Le fait que le père puisse enfin avoir des vacances avec son enfant, que la petite fille puisse enfin en profiter, qu'ils puissent être heureux tous les deux, ça a été une idée insupportable pour Madame Maurice. Et alors, en plus, se dire que peut-être, après ça, il pourrait récupérer sa petite fille, non mais, attendez, c'était inqualifiable, c'était pas possible que ça se passe. C'était pas possible. L'avant-dernier acte de la tragédie se joue le 18 août 2003, à 3h du matin. De retour d'un mariage dans les Pyrénées, Marc Maurice ramène Jade à l'appartement de sa mère, à Blagnac. Selon lui, la fillette lui fait part de ses craintes à l'idée de partir avec son père. Et elle dit, ton papa va venir te chercher. Et la petite lui dit, non papy, tu sais tout toi papy, je veux pas partir. Elle l'a enlacé, il l'avait sur elle et elle lui a dit, toi tu sais, je te l'ai dit à toi papy. Mais elle lui a dit sans éclat, elle lui a dit, et là, il m'a dit que, ben, il fallait que ça s'arrête. De retour chez lui à Lara, Maurice ne réussit pas à dormir. « Je tournais en rond », raconte-t-il au juré. « Tous les événements me revenaient en mémoire, comme dans un film. » À 6h du matin, il prend sa décision. Cédric Elliot doit mourir. Il se lève, prend son petit déjeuner, donne à manger à ses chiens, s'empare de son fusil et quitte Lara.
Il se dirige vers Gagnac, où pense-t-il, Cédric doit venir chercher Jade. Vers 8 heures, Marc Maurice se gare à quelques dizaines de mètres de l'immeuble de Fabienne. Après 2 heures d'attente, il voit Cédric arriver. Il approche son véhicule, saisit son fusil à demi dissimulé sous un treillis, descend de voiture et emprunte à son tour la petite allée. Dès qu'il voit Maurice approcher, Cédric tente de s'éloigner. De son balcon, Fabienne crie « Non, papa !» Maurice tire une première fois. Cédric poursuivant son mouvement de fuite, Maurice fait quelques pas en avant et tire une nouvelle fois. Cédric s'écroule. Maurice s'approche. Il frappe violemment le crâne de sa victime avec la crosse de son arme, qui se brisera en heurtant le sol. On savait que Cédric devait prendre Jade pour les vacances à 10h. On est arrivé, on dit on va aller voir s'il n'a pas eu d'ennui, parce qu'on avait toujours une crainte. On est passé sur les lieux. Quand on est arrivé, il y avait un attroupement. Moi, je leur ai... Moi, j'ai aussitôt compris, c'était... Je pense que Marc Maurice s'exprime tel qu'en lui-même, de manière honnête, sans rechigner à donner les détails les plus terribles. Les coups de crosse administrés à cet homme à terre, touché, qui est le père de sa fille, c'est un détail terrible. Les 3 heures d'audition de Marc Maurice ont indisposé les jurés. Même s'il dit aujourd'hui regretter la mort de Cédric, il se refuse obstinément à reconnaître qu'il a tué un innocent. Pour tenter de se justifier, il n'a pas fait montre non plus d'une grande émotion. Au contraire, il a froidement égrené les procédures judiciaires comme un métronome. Inquiet, ses avocats tentent de convaincre Marc Maurice de changer d'attitude au moment où la cour va examiner sa personnalité. À travers le témoignage de ses proches et à travers les expertises, les jurés vont tenter de comprendre comment cet homme sans tache a pu devenir un assassin. Vivait dans une espèce de bled au Maroc, donc avec un père infirmier, mais c'était pas l'infirmier comme maintenant, c'était infirmier médecin. Et très vite, on a aimé sa personnalité, et elle a surtout déteint sur nous, et alors surtout l'amour des enfants. Alors c'est vrai que là, ça c'est de notre père, c'est un amour comme les animaux aiment leurs enfants, hein. C'est-à-dire que... Les petits animaux, hein, quand on vient les toucher, la mère ou le père, hein, il sort la patte. Marc et Monique Maurice se sont connus alors qu'ils avaient une quinzaine d'années. En 1970, ils s'engagent dans la marine, puis en 1976, dans la gendarmerie. En 1991, il prend sa retraite, à 39 ans. Il entreprend alors de réhabiliter la maison de Lara, tout en accueillant des adolescents en difficulté qui lui sont confiés par la justice. La caractéristique essentielle de sa personnalité, c'est la rigidité. C'est un homme qui est très précis, très méticuleux, très ordonné. C'est un ancien militaire, c'est un ancien marin, puis c'est un ancien gendarme. Donc sa personnalité l'amène à des convictions qui sont totalement inébranlables une fois qu'il les a acquises. À partir du moment où il a acquis la conviction qu'il était victime, lui, d'un préjudice, en l'occurrence que sa petite fille avait été agressée, bien, les choses se sont structurées dans sa pensée au point qu'elles alimentent donc un système de convictions. Et ces convictions ont été permanentes, elles étaient lancinantes et ont abouti à la seule issue possible selon lui. Et donc, il est passé outre ses convictions et le respect absolu qu'il pouvait avoir par ailleurs pour devenir l'exécuteur de ce qu'il pensait être la seule solution. Après la longue audition de Marc Maurice,
les jurés ont l'impression qu'il manque toujours une pièce au puzzle. Plus que jamais, le rôle de son épouse, Monique, est au centre des interrogations de la cour. Ah, madame, si je connaissais déjà le verdict. Bon, je ne sais pas qui c'est qui m'a remis ceci. Il y a un article qui a été publié ce matin. Sur le point de vue de la partie civile, il y aura le point de vue de la défense. Tant mieux, il vaut mieux que nous l'exprimions à la fin. Cet après-midi, Monique Maurice va enfin comparaître à la barre. Ses explications sont très attendues. La justice n'a rien trouvé à lui reprocher quant à l'assassinat de Cédric Elliot. Son rôle n'en apparaît pas moins central. La partie civile aimerait que Monique Maurice dise « Eh bien oui, cette nuit-là, c'était intolérable, j'ai demandé à mon... » Marie, d'aller le faire, d'aller le tuer, parce qu'autrement je vais le faire, et que l'homme représente un peu plus la force et tout, mais je ne crois pas, il l'aurait... Ah non. Et puis là, lui, il me dit que vraiment, il avait averti personne. Madame Maurice, elle voulait la petite pour elle. Elle voulait pas, au départ, elle voulait pas qu'il ait de père. Elle voulait se l'approprier. Elle la considérait comme sa fille, pas comme sa petite fille. La mère, Fabienne Maurice, et la grand-mère, Monique Maurice, sont coupables aussi. Responsables, c'est une certitude. Nous, on espérait qu'elles soient mises en examen toutes les deux. Mais c'est infernal, c'est la poissonnerie, les gens, ils s'en foutent. Pour moi, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. La justice n'est pas faite sur la poissonnerie. Il faut arrêter. Elle peut dire n'importe quoi. Moi, je sais de ces gens-là. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un pédopsychiatre. Il y avait deux expertises. Il n'y avait rien. Ils n'ont rien fait pour protéger leur petite fille. Maintenant qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Ils ont protégé leur fils. Cette dame est malade, c'est sûr. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui fait que, bon, là, maintenant, elle est devenue dans un fonctionnement où les choses ne peuvent pas se passer autrement que ce qu'elle imagine. La prestation de Monique Maurice, ancrée dans ses certitudes, a laissé les jurés pantois. Je crois que cette femme est une paranoïaque, avec tout ce que cela comporte de symptômes, l'hypertrophie du moi, le fait de voir l'autre comme un ennemi, le sens de ne jamais accepter la dépossession, et à sa façon, le mari est un peu comme elle, ils ne peuvent pas admettre d'être dépossédés de leur petite fille. Je ne suis pas très sûr qu'il ait beaucoup aimé la petite fille. Je crois que ce sentiment de dépossession va les entraîner vers l'assassinat. Quand je dis « les », c'est que je considère que sur le banc de l'infamie, il manque quelqu'un. Je crois que la mère a sa place. Il y a entre les deux une profonde transmission par capillarité. Il est imbibé d'elle. Elle lui a distillé ses peurs, ses souffrances, ses doutes, ses incertitudes, ses colères, ses passions, ses craintes. Sa volonté de protéger. Au fond, cet homme ne se valorise que par rapport à sa femme. Et quand l'éponge a été trop imbibée, Maurice a agi sa femme par procuration. Au fond de sa cellule, Marc Maurice sait que ni lui ni sa femme n'ont vraiment réussi à convaincre les jurés. La journée n'a pas été bonne pour la défense. Cette dernière journée d'audience sera consacrée à l'audition des parents Elliot, puis aux plaidoiries et réquisitoires. Pour les avocats des deux parties, la tâche n'est pas aisée. Pour la défense, la meilleure circonstance atténuante de Marc Maurice, c'est l'influence qu'est supposée avoir eue sur lui, sa femme. Pour la partie civile et l'accusation, le raisonnement est inverse. Accorder trop de poids au rôle éventuel de Monique Maurice
conduirait à diminuer la responsabilité pénale de l'accusé. On attend qu'ils prennent le maximum, perpétuité. Dans sa plaidoirie pour la partie civile, maître Georges Catala insiste sur la sauvagerie méticuleuse dont, selon lui, a fait preuve Marc Maurice en tuant Cédric Elliot. La flétrissure qu'il a commise à l'égard de la famille, à l'égard de Jade, est une flétrissure indélébile. Et à partir de ce moment-là, en qualité de partie civile, j'aurais tendance à dire que la peine doit être très sévère. La cour d'assises est impitoyable. Les personnages apparaissent toujours dans une lumière de vérité. Et les derniers mots de fausse compassion qui ont été exprimés par Maurice ont été révélateurs de froideur, d'indifférence. Et en définitive, ont révolté une nouvelle fois la famille. Son esprit est le même que celui qui était le sien lorsqu'il a tué ce malheureux garçon. Dans son réquisitoire, l'avocat général dénonce l'idée folle de Marc Maurice de vouloir protéger un enfant en tuant son père. Elle réclame 25 années de réclusion criminelle. La peine réclamée assomme la défense qui ne s'attendait pas à des réquisitions aussi sévères. Les parties civiles, elles, ont tout lieu de s'en réjouir. Pour le clan Maurice, l'espoir d'un verdict clément s'amenuise. M'enlève la petite, soit pure, me prend tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vais espérer? Espérer quoi? C'est comme ça, c'est l'acharnement, j'appelle ça l'acharnement, c'est ils veulent détruire, ça se passe comme ça, et puis, et que vous voulez arrêter, comment c'est à lui de s'expliquer, c'est à lui de montrer, il y a les pièces, il y a tout, et à la conscience des gens qui vont le condamner. Au nom de la défense, maître Simon Cohen dénonce la caricature honteuse d'un monstre dressé par l'accusation contre son client. Il est plus facile, de s'identifier aux parents Elliot que de s'identifier à Marc Maurice et à son épouse. Si c'est ce qui doit faire le départ et l'identification, Marc Maurice est gravement menacé. Si la raison et l'humanité l'emportent, alors peut-être, le verdict sera-t-il différent. Pour les jurés, 4 hommes et 8 femmes, dorénavant réunis dans la salle des délibérations, la réponse aux questions posées sur la culpabilité ne souffre pas d'hésitation, l'accusé ayant toujours assumé son acte. Plus délicate est la question de sa responsabilité pénale. Marc Maurice, fou d'amour, selon l'expression de ses défenseurs, pouvait-il raisonnablement croire à la culpabilité de Cédric Elliot ? Quelle a pu être la part de son épouse dans la construction de ce scénario et cela peut-il lui valoir circonstances atténuantes? De la réponse à ces questions découlera le verdict. Après un peu plus de 2 heures de délibéré, le jury a pris sa décision. L'audience reprend. Question numéro 2 sur la préméditation. Réponse oui, la majorité de 8 voix au moins. En conséquence des réponses ainsi faites, la cour et le jury, après avoir délibéré sans désemparer dans les conditions prévues par les articles 362 et suivants du code de procédure pénale, condamne l'accusé Maurice Marc à la peine de 25
années de réclusion criminelle. Monsieur Maurice, vous disposez d'un délai de 10 jours pour interjeter appel de cette décision. Face à ce délai, vous ne seriez plus recevable. L'audience criminelle est levée. La cour d'assises de Haute-Garonne a condamné Marc Maurice à 25 années de réclusion criminelle. Ses avocats ayant fait appel du verdict, Marc Maurice sera rejugé par une autre cour d'assises. Il est donc toujours présumé innocent. Depuis le 1er janvier 2006, les parents de Cédric Hélio ont obtenu la garde de Jade. Sa mère, Fabienne, ne dispose plus que d'un droit de visite. Quant à Monique Maurice, elle n'a plus le droit de voir sa petite fille.